ゼルダ無双厄災の目視録前回までは Le secret de la chanson. Le bruit court qu'une chanteuse du village des Piafs connaît une chanson qui mentionne des pièces anciennes. Elle vous la chantera en échange de quelques jolies pierres. Quelques ? 3 rubis, 3 saphirs et 5 diamants ? Meuf ? On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Il est où ? Mais... Oh putain ! Je vois pas où je vais, je ne sais pas où je vais. D'accord, il faut les battre. Très bien, vous pourriez pas le dire. Link, on y voit que dalle. Chérie, amour de ma vie, ça suffit maintenant. Voilà, c'est... Très bien. Ouais, ils sont costauds, hein, c'est bon. Mais ta race, toi, là! Tu vas crever, oui? Tiens! Foutre la paix, oui! Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on fait depuis tout à l'heure? Qu'on se tourne les pouces, vraiment! 100% no michi o susumimashou. Ok, on rentre tout de suite dans le bain. Laboratoire antique royal, un établissement où sont étudiées toutes sortes de reliques antiques. En menant à bien les requêtes de Pluha et Faras, vous pourrez vous servir des résultats de leurs recherches en combat. Des souvenirs de batailles inconnues ont été découverts. Les données du pass d'extension ont été détectées. Vous avez obtenu un bonus pour cet achat. Proto-casque archéonique. Basé sur les recherches de Faras, ce casque fabriqué en utilisant différentes pièces de gardien est certes très solide, mais il n'est encore qu'au stade de prototype. Proto-plastron archéonique. Cette armure composée de différentes pièces de gardien a été conçue sur le modèle d'ancienne technologie Shika. Toutefois, elle pourrait encore être améliorée sur bien des points. Proto-jambière archéonique. Faras a conçu ce prototype en s'inspirant des technologies utilisées pour créer les gardiens. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il parvienne à un résultat plus abouti. Proto-glaive archéonique. Ce prototype a été conçu au laboratoire antique royal. Les informations apportées par le gardien ayant voyagé dans le temps ont fait progresser les recherches antiques de plusieurs décennies. C'est bon? Oh la vache! Je suis trop contente de vous retrouver sur ce jeu, les amis. Ça doit faire... un an, bientôt, qu'on n'y a pas touché, parce que si vous vous souvenez bien, à l'époque, je n'avais pas de Switch, et c'est mes très chers amis Solène et Léo qui me l'avaient prêté afin que je puisse jouer. Mais bien sûr, après, ils ont dû déménager, etc., donc ils ont dû récupérer leur Switch, ce qui est tout à fait normal. Et ce qui s'est passé, c'est que, quand j'ai acheté la mienne, eh ben, je n'avais plus les données du jeu, donc j'ai tout recommencé depuis le début. J'ai essayé de faire au mieux en suivant mon propre let's play pour que la carte ressemble au plus proche à ce qu'on l'a laissé il y a un an. Et là, du coup, tout récemment, ils ont sorti, je crois, la deuxième vague du DLC, Pulsation Antique, je crois, que j'ai du coup téléchargé. Je sais pas du tout comment on débloque les nouveaux souvenirs, les machins et tout. On va faire au mieux, il y a beaucoup de choses à faire, je ne sais plus comment on joue. Et ça va être le pire parce que je crois qu'il y a des batailles qui sont très compliquées. Donc on va être un petit peu dans la merde. On va reprendre doucement. On va faire au mieux, hein. Il me semblait que j'avais débloqué tous les autres petites quêtes là qui clignotent. Mais on dirait que non, j'ai dû en rater ou elles viennent de s'ajouter. Je n'ai même pas fait attention. Mais du coup, j'ai très hâte de reprendre parce qu'on avait laissé ce jeu qui n'est toujours pas à 100%. Et puis, bien sûr, le DLC où il y a l'air d'y avoir des petites choses croustillantes qui nous attendent. Donc, sans plus attendre, je vais fermer ma gueule et on va commencer. Recrutement à la carrière. La guilde des forgerons cherche à recruter de nouveaux membres musclés à la carrière. Apportez-leur des matériaux qui retiendraient l'attention des éventuels recrues. Le recrutement de la guilde s'est déroulé avec succès. Grâce à ses nouvelles recrues aux muscles saillants, la guilde peut maintenant forger des armes plus abordables qu'avant. Cool. Qu'est-ce que... Je croyais que j'avais débloqué plus de trucs que ça, mais on dirait que non. Il y a beaucoup de batailles à faire.
Pour la tranquillité de tous, pour rassurer son peuple, Zelda récolte des preuves que de puissants ennemis ont été vaincus. Rejoignez-la et trouvez des preuves que vous avez protégé tout Hyrule. Toujours des preuves, hein, les gens ils sont chiants. Mais oui, Choupette. Vous avez rassemblé des preuves de vos combats contre des ennemis féroces. Devant ces nombreux hauts faits, les gens ont l'air bien plus vigoureux qu'avant. Ah cool, un nouveau truc pour Zelda, vous pouvez tirer davantage de flèches de lumière. Oh, ok. Ça marche. Bon, et ben il nous manque pas mal de trucs. Alors, on va voir au niveau des... Ah, non, il y en a une petite ici encore. Samba au Canyon Gerudo. Noya suggère au Korogu de danser la samba pour être plus en phase avec la température de la région de Gerudo. Essayez peut-être de réunir des matériaux contre la chaleur au cas où. Oui, au cas où, je pense c'est mieux. Les Korogu se sont déhanchés sur des rythmes endiablés et ont oublié la chaleur étouffante. Vos matériaux ont bien servi. Parapapa, parapapa. Noya est enjouée. Oh! Intéressant. Parce que j'ai toujours 36 000 armes avec Link. Ok. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien qui clignote si j'ai toi, là. C'est toujours mieux ailleurs. Personne n'a encore pensé à aller chercher des pièces près du laboratoire. Le groupe de recherche accepte de s'y rendre à condition que vous leur fournissiez des provisions. Fort bien. Comme promis, le groupe de recherche se rend au laboratoire et passe la zone au peigne fin. Motivés par cette tâche nouvelle, ils prouvent leur efficacité en trouvant de nouvelles pièces. Cool. C'est vrai qu'il faut essayer de réparer Terako. MG6 pour les intimes. Ok, bon. C'est pas mal. Il y a beaucoup, toujours autant de choses à faire. On va jamais s'en sortir. Ça m'intrigue. Je pense que ça doit être le DLC. Est-ce qu'on enchaînerait... Est-ce qu'on commencerait pas le DLC pour voir? Niveau conseiller, 40. Attendez, je peux jouer Terako? Nous sommes des shows. On peut jouer Terako? Mais je l'ai pas sauvé encore. Parce que s'il est que niveau 40 pour niveau 40, on va se faire défoncer en fait. Mission souvenir. Divers objectifs à atteindre pour reconstituer les souvenirs de batailles inconnues. Complétez les missions pour obtenir des récompenses. Écoutez, on va tenter. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je ne sais plus comment on joue, ça va être insupportable. Ok. C'était l'Erko qui vient de se réveiller, je suppose. Oh. Ouais, c'est ça. C'est quand il vient... MG6. Ah, il est là. Je suis pas étonnée. Bon, par contre, je suis pas sûre qu'on puisse. Et ouais. Et voilà. Pardon. Oh, et il vient. Il vient infester la. Ah, so you contre data. Oh merde. Donc c'est bien ça, en essayant de la sauver Terako, en fait il a ramené le bordel. Yaksai Ganon ga fukkatsu shi, horobi yuku Hyrule kara,
役際復活前のハイラルへと時を渡った一体のガーディアン。一方、同じく時空を超えた役際ガノンの怨念は、この時代に眠っていた時を渡るガーディアンに憑依。役際復活に向け、様々な策謀を巡らせ始める。己を追ってやってきた敵のことなど露知らず、時を渡るガーディアンは、 Ok, on va crever. Oui, d'accord, mais il va falloir éviter de se faire tuer, non? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Zelda? Bonjour. Excusez-moi, vous auriez vu Zelda? Messieurs. Oh, un coffre. Voyez doucement. Apparemment, Talaco peut rien faire. Hein. J'ai beau appuyer sur tous les boutons, il n'y a rien qui fonctionne. Donc je suppose qu'il faut éviter au maximum les ennemis. Zelda! Où t'es ma princesse? Oh! Ah si, final... Oh, bah, des quoi? Oh, d'une nommée... Oh, waouh! Je ne sais plus comment on utilise... Ah, Soyu Koto. Ok, ok, ça va revenir, ça va revenir. Ah oui, on n'a pas la tablette Chica, donc ça sert à rien d'essayer de s'en servir. Allez, punaise. Redonnez-moi Link, s'il vous plaît. Lui, il est boosté à la testostérone, au moins. Bien. Et maintenant? Par là? Zelda! Non? D'accord. Très bien. Bon. Je suppose qu'on va se diriger plus... Oh non, non, mais... Y'a rien là. Oh oui, on va s'en occuper. Attention les messieurs devant. Allez. Vous pouvez me dire où est Zelda, s'il vous plaît. Oui, où est Zelda? Dites-moi où est Zelda. Oh! Ah, ça y est, on a enfin toute la carte, merci bien. Olé! Dégage! Pas mal! J'ai encore grand besoin d'entraînement, mais... Not bad! Tu te débrouilles, mon petit chou! Yes! Ça c'est jouissif ça. Allez, you dead. Ok. Wallé! Cool! On va essayer de récupérer tous les coffres pour éviter d'avoir à le refaire. Wallé! Le seul problème, c'est que s'il y a des Korogu, je ne le saurais pas. Où est mon coffre? Il est là.
Ah, ok. Impa, 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 elle est par là-bas. On va retourner ici. Attends, 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 Impa, on arrive, on arrive. Là. Oh, ça, ça va être vite réglé. Bien. Super, t'es la co. Eh, 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 eh. Non, et vous pouvez prenez pour qui là? Impa. Oui, 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 attends, 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 attends. Olé. Raté. Oh non, non, mais attendez, je peux pas affronter un Linel avec. Avec Terako. On va essayer de récupérer le coffre avant d'aller au Linel. Où est-il? Salut mec, j'ai pas très envie de t'affronter parce qu'on va se faire défoncer. Mais on va essayer. Je crois que je préférais encore le Linel. Je crois que je préférais encore le Linel. Je crois que je préférais encore le Linel. Olé, olé, olé. Oh, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. C'est une horreur intersidérale. Terra, contiens. Putain, je peux pas l'approcher. Et pourtant, si je l'approche pas, on va pas y arriver. T'es là quoi? Hey. T'as besoin d'antidépresseurs, toi? T'as récupéré toute ta vie, bâtard! Non mais comment il fait pour me toucher alors que j'esquive? Là. Ok. Assez. fais attention Terako quand même, on tourne pas le dos à l'ennemi. Oui, c'est bien ce que je pensais.
Oh mon petit chou. Oh. Oh, Terako. Oh merde. Après. Saloperie. Normalement, c'est pas à cet endroit-là que Link le retrouve, je crois pas. C'est quoi ces têtes? Oh mon pauvre Terako. MG6. Ah et voilà, et c'est là que Link le trouve. On va voir mon amour, il m'a tellement manqué. D'accord, ils sont en train de voir dans la mémoire de Terako. Je vois. Accomplissement des missions souvenirs. Trouver et éliminer le monstre qui se cache. Obtenez 3 melons glagla. D'accord. Il va falloir que je les refasse. Oh. Destiné au laboratoire antique royal, ce rapport de recherche contient des informations relatives à des batailles inconnues découvertes lors de l'analyse de la mémoire du gardien et ont remonté le temps. D'accord. Purua et Robbery ont Tokyo au travers du gardien no kaiseki o susume. Sono naibu ni nokosarete ita michi no kiroku o hakken suru. Sore wa shirarezaru tatakai e to tsunagaru. 情報のかけら時を渡るガーディアンがこの時代に現れてから残した記憶の断片とも言えるものだったそこに厄災討伐の鍵が眠っているかもしれないそう考えた二人は記憶の断片から激戦の中に埋もれたものがたりを紐解いてゆくのだった J'ai peur qu'il faille réparer Terako et l'augmenter de niveau avant de pouvoir faire le DLC en fait. C'est pour ça qu'il était niveau 40 en fait. Ouais, je crois qu'on va être obligé de faire ça d'abord, sinon on va pas y arriver. On va voir tout de suite ce que ça dit, mais je pense que on va forcément devoir manipuler Terako. Et s'il n'est pas à un niveau suffisant, on va pas y arriver. Tout comme là, j'ai un petit peu galéré, j'y suis arrivée, mais bon. Bataille inconnue. Levez le voile sur les batailles inconnues grâce aux indices révélés par les fragments de souvenirs enfouis dans la mémoire du mystérieux gardien. Ah ! Ah, on n'est pas obligé forcément de passer avec Terako. Oh, bon, bah alors ça va ? Ça va ? D'accord ! Ok, bon, on devrait pouvoir s'en sortir un petit peu. Là, ce que je propose, c'est que vu qu'on a fait un
un premier truc du mode histoire, j'aimerais bien faire une petite mission. Alors, qu'est-ce qui serait plausible? Le bouillonnement de rancœur. Quelque chose que j'aimerais bien avec Link. Émissaire du fléau. Ah bah ça, ça serait tout à fait plausible. Sur le fil du rasoir extrême, la dernière fois, je me suis fait avoir. Au fait du grand Koga, c'est un peu juste. Il va vraiment falloir que je les monte de niveau. Ah, ça, on peut peut-être le faire en route pour la forteresse en prenant Link. Il n'est pas niveau 100, comme la dernière fois, parce que j'ai pas eu le temps de le remonter au niveau 100. Et pareil, l'épée de légende n'a pas tout à fait les mêmes capacités que sur la première partie. Mais bon, je pense pas qu'il y ait besoin de... Puis le niveau 100, quoi. Qu'est-ce que je me prends le chou. Mon amour, tu m'as tellement manqué si tu savais. Ok. Protéger l'équipe du capitaine. D'accord. Salut les gars. On s'éclate. Et vous allez voir que vous allez pas faire les malins. Oh mon amour, qu'est-ce que tu m'as manqué. Si tu savais. Je suis tellement contente de pouvoir reprendre cette aventure avec toi. Oh! Qui veut mourir le premier? Pardon, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je crois que je dis ça aussi. Là! Il y a toujours moyen de faire mieux avec lui, ne vous inquiétez pas. Bizarro, c'est nouveau ça. C'est extrêmement nouveau ça. Me suis trompée. Pardon Link. Je me suis trompée de bouton mon chéri. Excuse-moi. Pardon. C'est pas le bon bouton. Ok. Besoin d'aide, monsieur, madame? Je ne vois personne. Escortez, Link. Ah! Oh! D'accord, j'avais pas du tout compris la mission. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas te calmer? Link, debout, chérie. Ah, ils sont chiants. Du coup, ils font un truc suicide avec leur putain de bombe, là. C'est bon? On a pris un peu trop de dégâts, chérie. Tout va bien? Excuse-moi, si j'avais un peu mieux compris la mission, que j'étais un peu moins débile. Mais bon, hein. Comme je le répète sur tous les jeux, tu as l'habitude d'avoir une femme un petit peu... un petit peu idiote. Eh ben, on a le temps de faire un pique-nique, hein. D'accord, on n'aurait pas dû se relâcher, chérie. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que cette blessure? Hey.
pas un chouchou de glace, ça. C'est un méga chouchou de glace. Allez, c'est bon. Non, mais jamais ça s'arrête, en fait. Non. Rapproche-toi de ton pote. Voilà. Comme ça, je vous ai tous les deux. C'est pas la peine de faire un coup sur ça. Non, je dois d'abord m'occuper de toi. Pardon, chérie. Ok, maintenant ça devrait aller mieux. Olé, olé. On va quand même surveiller la boule de vie. Ouais, il faut quand même un peu plus de dextérité sur ça. Hein. Je me relâche. Faut pas qu'on se relâche, chérie. Ce DLC nous réserve pas mal de surprises. Oh, bientôt niveau 100, mon amour. La bonne personne. En vue du combat contre le fléau, le centre d'entraînement à la lance aimerait inviter un grand maître à donner un cours pratique. Vous connaissez une virtuose de la lance. Mifa. En visite au domaine Zora avec l'instructeur, vous avez obtenu l'aide de Mifa. Repensant à tous vos combats à la lance, vous avez approfondi votre connaissance de l'arme. Ok, on n'utilise pas trop la lance comme arme, mais soit. Alors, est-ce qu'on n'en ferait pas une petite dernière? Voyons. Une qui serait pas trop longue. Recherche culinaire de Zelda. Bon, je pense que ça doit pouvoir se faire sans trop de difficultés. On va pas prendre Mifa, on va prendre Impa. Maïmas! So cute. Ça devrait le faire, on va essayer celui-là. Alors, oh Zelda, salut. Oh punaise, la map elle est énorme. Comment on fait? Voilà, c'est ça que je veux faire. Impa. Tu peux pas aller. Ah, c'est fermé. Ok, bon ben pour le moment, fais ce que fais ta vie. Fermé. Remarque, s'il va quand même par là-bas. Et avec Link, on va aller par ici. Salut. Oh, t'as une arme antique, toi? Comment ça se fait? J'ai envoyé Impa en direction du tunnel d'argent. Magnifique. Eh ben, tu vas attendre Impa. Salut. On a plus 5 minutes, hein.
combien il y a de monstres autour de nous là. Dégage. Pas la peine. On va pas rester là. Ou alors est-ce qu'il faut que je les tue ? Zelda, si tu pouvais éviter de rester au milieu des gardiens, ça m'arrangerait, choupette. Allez, maintenant on va rejoindre Impa. Olé ! On va se calmer, mec. Oh putain. Ceci est un endroit exigu avec plein d'arbres, ça ne va pas me plaire. C'est bien, mon chéri. Vas-y, amour. Ouais, tous ces endroits avec ces arbres, ça me plaît. Celle-là. Là. Good. Un plat remarquable avec de l'extrait de monstre, Zelda, tu crois? Je suis pas sûre, moi. Quel plaisir de pouvoir retrouver Link sur Hyrule Warriors. Vraiment, je suis trop contente.